Copiii écoutaient la parole de Dieu dans la pureté de l'évangile. Dieu est tout puissant. Il a défié l'ennemi. Comme Goliath est petit, géant de taille, mais petit à l'esprit. Un bomba, mais petit à l'esprit. Triple, ça tue. Bien-aimés, frères et sœurs, la présence de Jésus qui est importante. Vous et moi, nous voulons faire confiance à l'Éternel. Nous voulons dire comme David, Dieu qui a déjà combattu pour nous, Dieu qui m'a donné du travail quand j'étais chômeur, Dieu qui a fait ce que j'ai pris en mariage, et Dieu qui a fait ce que je sois baptisé d'eau et du Saint-Esprit, et Dieu qui a opéré les miracles dans ma vie. Montez vers votre Dieu. On s'est demandé qu'est-ce que nous allons devenir par notre foi. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Quel sera l'avenir de l'Église de Christ? Parmi nous, il y a ceux qui étaient restés seulement à la maison. Et Dieu a vu nos pleurs. Dieu a écouté nos pleurs. Et il a dit, ne vous en faites pas. Je vais trouver une solution. Oui, c'est Dieu de toutes les solutions. Il n'y a rien qui est incapable de vous. Dieu fait tout. Dieu fait tout dans sa puissance. Il a trouvé une solution. Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque du prophète Élie, le prophète aussi Élie était dans l'impasse. Il se disait, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'Éternel Dieu lui avait dit, tu n'es pas seul. Il y a des serviteurs qui se lèvent nécessairement à genoux devant Baal. Et il avait présenté Élisée. Et bénis les enfants de Dieu qui viendront vers vous parce qu'elles sont enceintes. Recevez la possibilité et la grâce de Dieu afin que vous exerciez le ministère des prêtres dans la plénitude et la puissance de Dieu. Que Dieu vivifie en vous l'esprit qui vivifie le ministère des prêtres. Recevez de l'apostolat et pouvoir proclamer la parole de Dieu, la parole véritable de l'évangile authentique de Jésus, afin que les enfants de Dieu, lorsqu'ils vous écouteront, qu'ils se rendent compte qu'ils sont entrés en contact avec les prêtres de Jésus. Chers prêtres, n'ayez peur de rien, parce que c'est Dieu qui vous a choisi à ce jour. Il veut de vous être prêtre, les prêtres de la maison de Dieu. Que votre vie soit protégée par Dieu. Soit béni celui qui vous bénira. C'est lui qui viendra avec la malédiction. Que la malédiction retourne sur lui-même. Parce qu'on ne peut pas maudire Dieu. Chers prêtres, aujourd'hui Dieu vous a mis à part. Il a fait de vous prêtres de la maison de Dieu. N'ayez peur de rien, parce que l'ange de l'Éternel vous accompagnera dans toutes vos voies. Mais que vos voies soient de bonnes voies, afin que vous vivez la manifestation de Dieu et que vous soyez des véritables prêtres. Recevez de l'apostolat, des pouvoirs et des mandats, de pouvoir prendre en charge les diacres et les enfants de Dieu. Soyez une consolation pour les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu bénisse vos familles, que tout ce que vous allez toucher soit béni par Dieu, que rien ne vous ôte la vie, si ce n'est que par la volonté de Dieu lui-même, parce que vous êtes aujourd'hui prêtres de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la possibilité de conduire vers leur dernière demeure les âmes et les enfants de Dieu qui vont nous précéder dans l'au-delà. Parce qu'aujourd'hui vous devenez des prêtres de Dieu. Recevez de l'apostolat le pouvoir de proclamer l'évangile de Jésus avec foi et conviction. Montrez les chemins aux diacres et aux enfants de Dieu. Soyez une aide précieuse pour vous évader des communautés, afin qu'ils se réjouissent parce que vous êtes les collaborateurs, les prêtres de la maison de Dieu. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne et que la paix de Jésus soit sur vous
et sur cet acte. Amen.